Et Hamilton, c'est énorme d'avoir pu suivre les Red Bull au Mexique. Le Britannique est fier des progrès de Mercedes. Alors c'est con parce que la voiture progresse, mais la stratégie régresse. Dommage. Est-ce qu'on peut mettre tout bout à bout un jour ou ça se passe comment? Il était content de séparer les deux Red Bull, d'être sur le podium. Je pense que c'est un très bon résultat pour nous. Nous avons amené une évolution à Austin. Ça a marché. Ils ont toujours un avantage, mais malgré ça, c'était incroyable de nous battre en qualif et d'obtenir la deuxième et troisième place. Lorsque nous avons vu que la stratégie, je voulais que nous prenions le risque de faire quelque chose de différent avec les deux voitures. J'avais le sentiment que Red Bull prendrait le départ en pneus tendres. Et une fois les courbettes réchauffantes retirées, on a vu que c'était le cas de tout le monde à part nous, qui avions les médiums. À ce moment-là, je me disais que nous allions avoir un problème, mais que la course était longue et peut-être qu'ils effectueraient deux arrêts. Mais le pneu médium n'a jamais chuté. Je pense donc qu'ils étaient sur la bonne strate en fin de compte. Mais je suis reconnaissant d'avoir pu suivre le rythme durant le premier relais. C'était énorme d'être capable de suivre Red Bull. Est-ce qu'il aurait préféré de faire durer ses médiums plus longtemps? J'ai cessé de dire à l'équipe que mes pneus allaient bien. Mais Sergio venait juste de s'arrêter. Je suppose donc qu'ils allaient bien plus vite que moi à ce moment-là. Alors si nous étions restés en piste plus longtemps, je serais ressorti derrière lui. Et c'était terminé. Ouais, il y a ça aussi, effectivement. Malheureusement, au départ de la course, il y a eu une bonne bataille au virage 1 et 2, mais mon équipier s'est fait passer par Sergio. J'étais donc seul contre deux Red Bull. C'est très difficile stratégiquement parlant avec une seule voiture. Alors, avec une seule voiture, il était pas loin derrière Pérez quand même, Russell. On peut pas dire qu'avec une seule voiture, Lewis quand même. Relativisons. On a vu Red Bull demander à Verstappen de s'assurer qu'Hamilton ne soit pas trop proche de son aspiration en début de course, et le Britannique regrette le mauvais choix de gomme, qui lui a pas permis de rester au contact. Je pense que c'est la différence entre les pneus qui posait problème au début. Le tendre était naturellement plus rapide. C'était surprenant de voir à quel point ils parvenaient à le conserver. Je faisais de la gestion de mon côté, mais je pouvais voir qu'ils avaient le dessus lors de ces premiers relais. Je me rapprochais un peu à la fin, et j'espérais me retrouver dans la lutte, mais une fois que nous avions chaussé le dur, c'était terminé. Je pense qu'ils auraient fini par prendre le dessus de toute façon, ils restent un peu plus rapides. Nous n'avions peut-être jamais été aussi proches d'eux, mais avec le même pneu, nous aurions pu prendre plusieurs dixièmes par tour. Ils sont rapides en ligne droite, et ne perdent pas de temps dans les virages. J'étais dans son aspiration, c'était difficile d'y rester. C'est donc quelque chose de plus que nous. Ils ont quelque chose de plus que nous, pardon. Mais nous rapprochons, si nous avions débuté en tendre, l'écart aurait peut-être été le même lors du premier relais. Nous aurions pu tenter de réaliser l'undercut. Mais c'est toujours plus facile à dire avec le recul. Je suis malgré tout reconnaissant des progrès effectués et du fait que nous soyons maintenant en lutte avec la Red Bull. Ben, j'espère que ça va se reproduire au Brésil et surtout à Abu Dhabi, parce qu'à Abu Dhabi, il y a des longues lignes droites hein, quand même. Hein. Donc là, attention. Brésil, je pense que la Mercedes peut être en forme aussi. À Abu Dhabi, je suis un peu moins sûr. On verra ça. Il y a tant de positifs à ramener du week-end. La voiture n'avait jamais été aussi compétitive cette année. C'est dû au travail incroyable que réalisent tous ces hommes et femmes qui travaillent à l'usine. Ils n'abandonnent pas. Une démonstration de résilience et de persévérance. Je suis très heureux d'être de retour dans le combat. Nous avions déjà failli avoir une chance de l'emporter lors de la course précédente. Je ne sais pas ce que vaudra la voiture lors des prochaines courses, mais j'espère qu'au Brésil, il y aura quelque chose de spécial. Nous verrons. Et oui. Ayrton va rentrer dans Lewis. Ils vont fusionner. Et du coup, les Brésiliens vont être en furie. Et il va gagner! Bon, allez, ça suffit, les délires. Non, mais la W13, effectivement, qui a progressé. Elle a bien aimé le Mexique, contrairement à la Ferrari, qui a détesté le Mexique. Donc, à voir. Encore de bons points marqués, mais pas de victoire, dommage. Ciao!